Bah écoutons-la donc. Bah oui, parce qu'on est là. Elle est en train de vieillir à vue d'œil, la Vanessa Paradis. Be my baby, Vanessa Paradis. Yeah. Vanessa Paradis. Viens, ma chère Vanessa, avec une de ses choristes, Muriel Robin. Viens, Vanessa. Salut. Bon, alors, les présentations sont faites. Alors, tu as vraiment le... Non, mais vous... J'ai déjà vu, toi et moi. Ça fait rien que je sois Vanessa, avec Vanessa, be my baby. Juste parfait. Quel choriste. Ah, ça, je me suis éclatée. J'attends que les autres chansons, et je vois ce que je peux pendant faire, que tu dansais, Guy me disait que tu avais le rythme dans la peau et qu'il avait découvert... chez toi, un sens du rythme, c'est vrai. Tu... Qui d'ailleurs m'inquiète sur ses racines. Je me demande si elle a peut-être pas un du noir, sang noir. Il y a du sang noir. Ça expliquerait l'inspiration, le sketch, le fameux sketch, etc. Vanessa. Elle est dans un état, elle est complètement épuisée. Alors, arrête, chérie, je t'ai dit de ne pas le faire. C'est au-dessus de tes poumons. Vanessa, un point commun avec vous. Vous allez terminer votre... Pourquoi tu la regardes comme ça? Je la vois pas souvent. Et... Tu m'as jamais regardé comme ça, moi. Moi non plus. Non, mais j'ai toute une batterie de regards. Et voilà, ça c'est mon regard numéro 5. Oui, il est bien le 5. Il est bien. Vanessa, oui. Tu as un point commun avec Muriel. Ne me prends pas la main comme ça me met dans un état.
C'est ce que c'est, 30 ans d'amitié, de vie double. Ça m'a échappé. Bon. Drôle de genre, cette émission. Oh là là, oh là. Vanessa va faire ses grands débuts sur la scène de l'Olympia. Vanessa, parle-moi de ce spectacle. C'est là, en février-mars, tes grands débuts. Tu vas chanter en français, en anglais, les deux? Les deux. Les deux? Et ça va être quelque chose, ça va pas être un grand spectacle, paillettes, ça va être quelque chose de très simple, juste de la musique et on va essayer de faire quelque chose de différent. Mais tu viens quand même. elle sera là finalement. Je vais essayer d'être là, ouais. Parle-moi un peu de ton séjour aux États-Unis. C'était comment? C'était... C'est agréable de marcher dans la rue sans que les gens vous connaissent, non? C'est... Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Ah oui, c'est vrai, parce qu'en France, c'est difficile. Non, mais j'ai surtout découvert une ville qui s'appelle New York et qui est absolument magique et très intense et j'ai adoré vivre là-bas. Et tu parles anglais couramment? Enfin, presque. Ah bah, quand on chante, ça s'entend. Tu parles anglais, Muriel, toi? Sinon, après, c'est quoi tes projets? Alors, on revient à l'Olympia. Oui. Il n'y a qu'un seul moment dans votre spectacle où vous faites référence à votre répertoire personnel, si j'ose dire, c'est oui, le noir. Oui. Le fait qu'il n'y a pas un seul sketch de ces années récentes. C'est ou des sketchs inédits, ou des sketchs très très anciens que la plupart des gens qui sont dans la salle ne connaissent pas, car les autres, ceux qui venaient à l'époque, sont morts. C'est à l'époque où tu débutais avec Charles Vanel au cinéma. Voilà, oui. Bon, parlons sérieusement. Pourquoi? Non. Le noir. Chier, là, si on elle essaie sur scène de faire ce sketch qui est un classique. Et voilà ce que ça donne. Patricia. Voilà un court extrait du spectacle de Guy et de Muriel Olympia. Et là, c'est quand même gonflé. Elle essaie de faire son sketch. Tu lui casses le cou et elle te casse ton cou après. Oui, c'est symbolique. Ça veut dire qu'on se fait cadeau de notre indépendance. Ce sont des fiançailles de théâtre. Et donc, voilà. Ça veut dire qu'on fait le spectacle ensemble et on ne joue pas en égoïste, quoi. Égoïste. C'est pas facile de parler sur l'autre, hein. D'ailleurs, j'ai choisi de me taire. D'ailleurs, rien n'est facile à faire sur l'autre. On souhaite bonne chance à Vanessa pour l'Olympia. Muriel et Guy seront là. Oui. Tu m'as promis. C'est promis. Seront là. Surtout moi. Je te signale. J'ai répété surtout moi toute la soirée. Bien, ça fonctionne bien. Je veux dire n'importe quoi, hop, surtout moi. Et on va maintenant accueillir quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui lui va faire ses grands débuts au Casino de Paris au mois de mars, c'est Laurent Voulzy. Ah. Il est noir. Il a surtout beaucoup d'humour. Laurent Voulzy, Caribe Islander.